Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis allé checker en fait. Comme je fais pas mal de sons, tout ce qui est, tout ce qui est de n'importe quel continent, mais du moment que la musique me plaît et je kiffe le son et que je kiffe tout simplement, je kiffe le son donc j'y vais. Et je découvre d'autres cultures, etc. C'est cool comme j'ai pu le faire dans le son africain, le son français, le son américain, tout ça. Donc je partage un peu tout ce que je kiffe, tout ce que j'aime. Et moi je suis partout, hein, tu connais. Moi quand je kiffe la musique, c'est pas tu kiffes genre tel type de son, tel type de son. C'est vraiment tu kiffes toute une culture, toute la musique en général, je peux kiffer. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller encore plus loin que ça. Je vais aller chercher du côté du Japon, poto. Je suis allé voir, j'ai tapé top 100, top 200, bail de trucs Japon, japonais, tout ça. Et je suis tombé sur ça et je me suis dit, va falloir checker ça tout de suite. Le gars, il s'appelle Fuji Kaze. Le son, il s'appelle Kirari. J'ai de la chance, hein, parce que c'est pas en langue japonaise, donc ça va, c'est écrit dans une langue qu'on peut comprendre un minimum, donc c'est pas en caractère que je ne pourrais pas décrypter le truc. Donc vas-y, on va checker. Ce que je sais, que ils sont forts. T'entends la guitare, mon gars? Il y a une ambiance. Il y a une vague de fou. Vibe, mon gars, de fou. Putain, c'est un black vibe. Je trouve que c'est ultra chaud. Franchement, c'est de la folie. Il y a une ambiance, mais c'est. Il n'y a pas de vibe dessus. Le son, il est ouf. Il y a une ambiance, pour moi, elle est grave kiffante. Oh là là. La snare là. Le clip, il est tellement, ils sont tellement forts, gars. Moi, je kiffe, franchement. Mon gars, c'est tellement énervé. Du feu.
franchement, je savais qu'ils avaient une vibe vraiment très dans un truc un peu, tu sais, le style un peu cloud, genre un truc qui t'emporte avec des vibes vraiment. Moi, c'est le genre de vibe que je kiffe, franchement. Je vais entendre ça dans le français, je vais kiffer. Je vais entendre ça dans une autre langue, je vais kiffer aussi. Ce type de son, pour moi, je kiffe beaucoup. Après, voilà, peut-être que c'est, il y en avait peut-être beaucoup de cette vibe. Peut-être qu'il fallait réduire ou être, genre, un petit côté en bas, ça aurait été encore, encore top, tu vois. Mais après, voilà, c'est leur truc à eux. Je sais qu'ils ont vraiment une vibe de ouf. Les gens ne savent pas, mais la musique japonaise, ils sont très, 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 très loin, les gars. Là-bas, le son, la musique là-bas, mais c'est pire que. C'est au même niveau que les États-Unis, hein. Après, le niveau de développement des artistes, il est différent. Mais quand, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément énormément d'artistes qui vont exploser. Mais quand tu as un artiste, 2, 3, 4, 5, j'ai l'impression que je le vois comme ça de l'extérieur. Quand tu vois BTS ou d'autres groupes, Blackpink, je crois que c'était ça. Quand on mise sur eux, ils savent qu'eux, ils vont péter le score tellement loin. Tu vois, sur les vues, les millions de vues. On n'est plus à la hauteur soit des artistes européens, même au niveau des artistes américains. C'est presque à la hauteur des États-Unis. Mais si jamais il y a du buzz au Japon, ça va exploser pire que aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quand même un gros truc. Tu vois, par exemple, je suis allé voir l'artiste. Le gars, il a combien? Il a 936 000 abonnés. Je connais pas. Il a 11 millions de vues. Pratiquement c'est comme ça sur chaque artiste, hein. Limite il y en a trop de vues que parce qu'après ils prennent tout le continent asiatique, hein, les gars. C'est vraiment tout ce qui est pays qui va parler un peu soit cette langue ou qui vont kiffer les sons un peu de les sons de chez eux. C'est comme tout, hein. Les Européens ils vont kiffer tout ce qui est européen, tout ce qui est américain, forcément c'est la base, donc ça va aller beaucoup plus global sur le monde, etc. Ils sont africains, ça va toucher tout ce qui est Afrique, etc. Après ça peut s'exporter aux pays francophones, etc. Les pays qui touchent la même langue et ou qui ont des cultures proches, tu vois, ça dépend, mais c'est pour ça là-bas ils ont tellement. Il y a la Chine qui est à côté, il y a pas mal de trucs. Il y a une population qui est énorme là-bas aussi, donc il faut voir le truc. Mais pour moi il y a un développement du son là-bas qu'il faut aller chercher. Donc en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et j'ai kiffé tout simplement. J'ai kiffé, c'est du sale mais j'aime absolument, c'est très très beau, franchement je le mets même. Limite je dois faire une playlist Asie carrément. Je vais la mettre dans cette playlist là. En tout cas, je vais la mettre de l'autre côté. Tiens, hop. Franchement, lourd. J'ai bien aimé. Voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao. Ciao.